Bonjour à toutes et à tous, c'est Walanos 46. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'électrification. La pose de ligne électrique dans cette cathédrale fraîchement construite. Donc on va quitter ça. Magnifique. Donc je vous présente. Elle a pas de nom. Je vais lui donner un nom. Je vous laisse lui donner un nom. Attendez. Je vais voir les coms. Les commentaires. Attendez. Hop. Ça dégage. On va mettre peut-être une musique de fond. Attendez, je vais voir les commentaires. Peut-être une musique de fond. DJ Hag. Voilà. Hop. On va commencer. Voilà, celle-ci est très bien. Alors, allons voir un petit peu ses commentaires. Putain, non! Il y a un problème. Sans les micros de jeu. Attends. Petit problème sur le live. Ok, tout va bien, c'est bon. Ok. Bon, écoutez. Nous allons... Oula, il y a un bug. Ok, c'est bon. Nous allons éclairer grâce à un système Redstone toute la cathédrale. C'est-à-dire l'extérieur, tout le tour de la cathédrale, l'extérieur de la cathédrale elle-même. Donc tout là, il y en aura qui sera un peu dans le toit. Les tours seront éclairées comme ça. Cette partie. Sera éclairé, donc je vais vous présenter l'intérieur dans pas longtemps. Donc voilà, les tours seront éclairées. Il n'y a pas de flèche parce que la flèche, on va la construire au gré pendant qu'on fera l'électrification de la flèche en fait. Donc je suis obligé d'attendre de construire la flèche. Enfin, je dois construire la flèche en même temps de faire le système électrique, donc de Redstone. Avant, je vais vous parler comment marche la Redstone. Donc, nous allons virer tout ça. Hop. Donc, je joue clavier souris. Hein. Je vous ferai une petite vidéo setup sympatoche. Alors, nous avons... Attendez, j'ai juste 5 minutes. Hop. 5 minutes. Hop. Attendez, c'est un peu long. Voilà. Nickel. On retourne sur notre musique d'ambiance. Voilà, nickel. Alors, donc ce qu'il nous faut, c'est en premier temps, bien évidemment, un levier pour l'activation. Voilà, simplement. Et de la Redstone. Donc si vous regardez, donc on pose un levier et ça nous active de la Redstone. Donc je vous fais un rapide topo. Donc ça en fait, il y en a, ils éclairent qu'avec ça. Donc ça éclaire tout le temps. Ok, c'est clair le jour et tout machin. Il n'y a pas de RP. Ça dégage. Nous, on veut de la technologie. Donc on éclaire avec des lampes de Redstone, tout simplement. Donc on prend les lampes de Redstone, voilà. Donc comme vous pouvez voir, quand on active le levier, ça active la Redstone et juste après ça active la lampe, voilà. Et ce petit système tout con,
on va le faire sur toute la cathédrale. Donc voilà. Je vais vous montrer un truc. Ah, petit com. Yop, salut Epigaz Quality. Ouais, il est bizarre ton. Change de pseudo, c'est trop long. Oui, le mien, faut que je change aussi. Quality Epigaz, bonjour à toi, abonnez-vous. Ah, Quality Epigaz, bonjour à Clément Caron. Hein, j'ai mis le premier like. Oh là, Zimbabwe. Mais non. T'as toujours ta mentalité de merde, hein, Clément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, là, comme vous pouvez voir, j'ai mis 8 redstone. Donc, ici, nous avons 8 redstone. Voilà. Donc, là, notre système redstone est activé. Voilà, là c'est encore activé. Et ici, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas activé. Donc on va. Donc nous avons en fait, je vais vous expliquer. Nous avons un levier ici et nous devons allumer la lampe qui se trouve tout au fond. Mais au bout d'un certain temps, la redstone s'affaiblit. Donc du coup, nous ne pouvons pas allumer cette lampe. Donc c'est là où intervient le comparateur de redstone. Donc on le prend. On va mettre par exemple ici. Et nous allons le poser. Ceci va amplifier la redstone pour qu'elle soit infinie. Donc toujours mettre la flèche, enfin l'espèce de flèche dans le sens où la redstone va. Donc voilà. Donc on peut mettre ça c'est le timer. Donc là par exemple, là aucun timer entre le moment où j'allume le levier là-bas et ça allume ça. Donc là pour le moment, c'est très chiant, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc là, il n'y a aucun délai, comme vous pouvez le voir. Tac, ça s'éteint, ça s'allume immédiatement. Et si on le met à fond, vous allez voir que ça va s'allumer au fur et à mesure. Voilà, ça s'éteint déjà 1-1. Voilà, il y a un petit décalage. Et bien tout ça, on va faire ça sur toute la cathédrale. Voilà, comme ça. Alors, nouveau com. Yo Wallonus, va te faire enculer. Non, j'ai quand même... Ouais, la démonétisation va être très claire. Ah bah c'est con, j'ai pas de network. Donc je me fais pas chier avec la démonétisation. Pop, 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 pop. Ok, nickel. Donc on a tout ça. Donc nous allons commencer... Voilà. On va commencer tout simplement. Ce qu'il nous faut. Donc il y a un truc qui va être très intéressant, c'est que les murs de la cathédrale sont très épais, donc on va pouvoir en faire un creux à l'intérieur et y faire passer la redstone. Donc ça c'est très très bien. Donc vous voyez, j'ai besoin que de ça. Voilà, et peut-être un petit panneau pour indiquer ce qu'on allume. On va y mettre du clair. J'aime bien le clair. La pub. Il y a une pub. Donc je vais vous présenter l'intérieur. Ah, attendez. Hop. Non, plutôt. Tac, voilà. Donc l'intérieur est assez grand quand même. C'est la plus grosse cathédrale que j'ai jamais terminée. Je dis bien terminée. Parce que Notre-Dame de Paris, la vraie, elle est encore en construction. Hein, si vous vous rappelez des anciennes vidéos. Donc voilà. De très beaux vitraux. Enfin, de très beaux vitraux. Des vitraux qui font... beaucoup de couleurs, qui c'est très beau. Ça bug beaucoup, c'est un vrai plaisir. Donc à l'intérieur, nous allons éclairer tout le sol comme ça. Donc tout le sol sera éclairé, donc il y aura une lumière derrière chaque pilier, je pense. Une lumière ici qui se dressera ici. Merde, du coup. Puff. Voilà. Donc il y aura des lumières qui seront sur les côtés. Voilà, parce qu'on fera passer des systèmes électriques derrière ce mur, comme ça, pour allumer l'extérieur. Et une lumière ici, à chaque croisée de givre. Donc on appelle ça une croisée de givre. Le centre d'une voûte, c'est la croisée de givre. Et on mettra une lumière
Bah, par voûte, en fait, par voûte. Donc, une là, une là, une là. Voilà, c'est très simple et très très long. Ça va être cool. Donc, je vais vous faire... Attendez, je vais vous faire visiter la cathédrale, quand même. Attendez. Ici, donc, il y a la même porte là-bas. Hein. Donc, tout simplement, on monte. Elle est tout à fait créée par moi-même, mais entièrement. Je n'ai... Voilà. Petit com. Tu joues clavier. Ouais, totalement. Je joue clavier souris parce que manette. Attends, manette, je fais ça. C'est très lent, on est d'accord. Donc clavier, c'est plus rapide. Wow, il y a 2-3 bugs quand même. Clavier, c'est plus rapide. Donc vous voyez, ici, il y aura de la lumière derrière les arcs-boutants. Je pense qu'ici. Je pense qu'on fera le panel d'allumage ici. Donc le panel d'allumage hein, sera tout simplement l'endroit où on allumera toutes les lampes. Donc le panel d'allumage, je pense qu'il sera là. Voilà. Donc ici on a. Donc ici se dressera un orgue. On fera un orgue tout simplement. Ici on monte. Voilà. Et il pleut, c'est magique. Météo. Hop, voilà, magnifique. Il pleut plus. Donc, nous avons toute la charpente. Donc ici, on y mettra le système électrique qui mènera à la flèche. Et sur les voûtes, il y aura tout le système électrique pour allumer les croisées d'ogives que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ici, on a la voûte. Enfin, on a la... Voilà. Nickel. Ici, on peut se mettre en mode posée, parce qu'il y a, un petit vitrail. Voilà. Un petit vitrail ici. Ici, on a le bout, enfin, une charpente, quoi. Vous connaissez un peu le deal. Ok. Alors, ici. Donc, on a ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Voilà. Et ici, on monte dans la tour. Donc, il n'y a toujours pas de cloche hein, pour l'instant. Ouais, il n'y a toujours pas de cloche. Et franchement, quand la ville va évoluer, donc c'est oui. Je voulais vous parler d'un truc. Cette ville, enfin cette cathédrale et cette église magnifique qui a donné naissance à un reportage seront les plus vieux bâtiments d'une ville que je créerai dans cet épisode, enfin sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on la créera au fur et à mesure. Je pense qu'on y mettra un fleuve, donc le fleuve le voilà. Hein, on a un fleuve. On mettra pas de noms, genre la Seine et tout ça, des noms connus. On y inventera des noms. Voilà. Pour que ce soit pas trop. Voilà. Donc voilà, écoutez, on va commencer à travailler sur cet endroit magnifique. Donc on va commencer par la partie la plus cool hein, quand même. La plus cool qui est éclairer les arcs boutants ou alors la charpente. Vas-y, Brice, toi qui es encore sur le live, j'espère. Ouais, tu m'as l'air d'y être. Tu dis quoi? On commence par éclairer tout ce qui est charpente ou l'extérieur? Tout ce qui est charpente, quand je dis charpente, c'est tous les systèmes électriques qui passent dans la charpente pour éclairer les voûtes ou alors les arcs boutants qu'il y a là. Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Pendant ce temps-là, je vais vous montrer 2-3 vues. On va aller voir l'église hein, pendant que Brice écrit son message. S'il répond pas, c'est normal. Je suis pas populaire. Pardon. Ah, voilà, un petit commentaire. Alors, extérieur. Ben, nous commençons par l'extérieur. On va pas commencer par la charpente. Donc nous allons tout simplement éclairer l'extérieur. Donc il y aura tout un système redstone qui passera là-dessous. Voilà. Les matériaux dont j'ai besoin pour assurer le bon fonctionnement. Alors comme les voûtes sont faites en dalle comme ça et comme ça pour y mettre les systèmes, nous devons utiliser ceci. Après le toit est fait avec ça. Donc voilà, on va re-rentrer dans notre magnifique cathédrale. Hop, merde, j'ai pété la porte. Bon, pas grave. Aussi quand même. C'est quand même une porte divine.
Voilà, magnifique. Yes. Alors, on va éclairer l'extérieur. Mais pour, j'aurais préféré quand même éclairer les voûtes parce que pour moi, c'est le plus cool à faire. Tu sais, faire l'électricité dans la charpente et tout. Emilien, il va kiffer quand il va voir le. Je pense. Je pense. Hein, après, Emilien, c'est un gros con. Pardon. je m'excuse. Je m'excuse. Alors, tout simplement. Donc ici, on a une voûte, ok. Le système. Faut pas que ce soit trop gros non plus. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. Elle est pas très brillante, je pense. Donc ici, notre levier. Pardon. Notre levier va activer ça. Notre levier va activer ceci. Donc on va y mettre un genre de petit cache. Ça rend un peu moins beau, je l'admets, mais bon. Je suis un peu obligé. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc on a un petit cache. Bon, ça va, c'est pas non plus un gros détail. Hein. Donc toujours, moi, ma petite technique, hein, c'est de laisser allumer le levier. Comme ça. Voilà, comme ça, je peux travailler. Enfin, travailler, construire, faire mon système en sachant que c'est allumé. Vous verrez l'utilité de ce que je vous dis. Donc d'abord, on va ouvrir le toit. On va ouvrir le toit, comme ça, pour y voir un peu plus clair. Voilà. Merde, j'ai détruit les voûtes. Bon, c'est pas grave. Sans, si je vois qu'elles sont détruites, on va les reconstruire. Alors, on va éclairer donc dans un monument, dans un grand monument, il est très important de cacher toutes les lumières pour que ce soit pas trop visible, pour éviter de gâcher entre guillemets le truc. Donc, ce qu'il faut faire ici, nous allons mettre une lampe. Non, plutôt là, voilà, comme ça. Ici une lampe. Ici, on va détruire un peu ce mur. Voilà. Ici, on va y mettre un cube là. Un cube là, je dis cube, oh, je suis vieux, un bloc, bordel. Voilà, donc on a un bloc d'allumé, ok. Donc là, c'est allumé, et c'est là où va rentrer le, je sais plus comment ça s'appelle, répéteur de redstone. C'est que il va éviter l'épuisement de la redstone. Donc on va, donc ici, on a ce qu'il faut, on va en poser un ici. Non. Eh ben ici, on va tout simplement y mettre un bloc. Voilà. Et c'est là où ça va rentrer en. J'aimerais bien mettre un petit délai pour l'esthétisme un petit peu. Enfin, esthétisme. Un peu con ce que je dis. Juste un problème. Comme. Tac, 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 tac. Petit truc. Comme le. En fait. Alors, je bug un peu dans mes mots. Tout simplement, regardez, ce que vous allez voir, c'est que quand on met. Donc ici on a de la redstone, il faut tout le temps laisser un tunnel clean. Si on met par exemple un bloc ici, ça peut laisser croire que. Mais non. Parce que ici ça coupe, vous voyez bien que ça coupe l'arrivée de la redstone. Donc il faut surtout pas faire ça. Et le truc qui m'inquiète un peu, c'est que quand on va reposer le toit, ça. Ouais, vous voyez, ça dérange. Ça dérange. Donc je pense qu'on va faire un truc à peu près comme ça. Voilà. Ouais, on va faire un truc comme ça. Ok. Pour que ce soit un petit peu. Je vais pas dire symétrique, mais. Un peu près correct. Qui veut dire quelque chose. Voilà. Donc du coup on pourra poser nos dalles comme ça et ça fera un genre de d'embranchant. Voilà. Ok, c'est parfait. Ok. Par contre, dès que j'accélère comme ça, ça bug beaucoup. Bon, c'est pas si grave. Alors. Ici. Donc on continue notre système électrique. Voilà. On va poser un bloc là. Et on y repose une lampe. Voilà, tout simplement.
Et tout ça, donc ça c'est vraiment. Et je vous ai pas montré. Donc tout ça quand c'est réussi, eh ben ça donne justement ce qu'il y a là. Ça donne justement ce qu'il y a là. Regardez, il y a un levier, un seul, c'est celui-ci. Et si vous regardez bien, toute l'église est allumée, sauf là parce que les lignes elles sont pétées à cause de l'incendie. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un épisode couvrage du toit. Donc tout ce levier, donc ça éclaire toute l'église, même le tour. Et quand on éteint, hop, il n'y a plus rien. Voilà, regardez la distance, tac tac. Voilà, toute l'église est éteinte. Et tout ça, on va le faire sur la cathédrale. Et cette cathédrale offre beaucoup de possibilités d'éclairage. Allez, dont son architecture. Voilà. Son architecture nous donne beaucoup de possibilités. Donc on va faire tout le tour comme ça. Hop. Parfait. On va remettre un dispenser. Tac. Le dispenser, c'est vraiment pour l'esthétisme. Enfin, le timer. Sinon, je peux très bien le mettre comme ça en direct et je trouve pas ça si cool. Enfin, je sais pas pourquoi. Je trouve ça pas ouf quand c'est direct. Comme ça donne un peu de répit. On en met une là. Tac, tac, tac. On allume la lampe. Ce qui va être compliqué en revanche, c'est de passer les câbles électriques. Pardon. De passer les câbles électriques dans tout ça. Et faire passer les câbles là-dedans, ça m'a l'air d'être une vraie fourberie. Parce que si vous regardez bien, ici c'est un bloc d'épaisseur en fait. Et il faudra faire passer le câble de façon à ce qu'il fasse le tour et qu'il éclaire tout le cul de la cathédrale. Donc je pense qu'on va faire cette ligne là et on va éclairer comme j'ai fait, je vais vous montrer, comme j'ai fait avec l'église de Bonin. Donc voilà, tout un système. Si on regarde ici la petite cloche. D'ailleurs, il est tout à fait possible de faire un système Rexton pour activer la cloche. Et ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Oh, l'une de mes préférées musiques DJ Hag. DJ Hag, je répète, hein, c'est un mec qui fait des remixes. Et comme elles sont libres de droit, je peux les utiliser. Quand elles sont pas libres de droit et que le robot YouTube détecte malheureusement mes vidéos, eh ben je suis douillé, tout simplement. Hop. Tac, nickel. Faudra vraiment trouver un moyen pour éclairer le cul de la cathédrale. Parce que par le toit, ça m'a l'air quand même assez chaud. Ça m'a l'air très très chaud. Si vous avez des questions, hein, posez-les moi. Prochain reportage prévu. Ah ben non, je peux pas vous le dire. Je peux pas trop vous le dire parce que c'est pas. En fait, c'est sur une église. Mais je peux pas vous le dire parce que. Tout simplement, faut que j'appelle la mairie de cette ville en question, où il y a cette église. Et je sais pas si c'est confirmé les droits d'auteur et tout ça. Parce que oui, sur des églises, il y a les droits d'auteur et tout, c'est tout con. Puis ouais, pour accéder à la charpente, la cloche, tout ça, j'ai dû passer un appel avec le maire de Bonin et tout. Et si j'ai pas cet accord là, bah, je peux pas vous faire un reportage clean. J'aimerais vous montrer ce que personne voit en fait. Si vous avez des questions par rapport à mes reportages, allez-y, je suis tout ouïe. Donc voilà, donc là on a notre extérieur. Voilà, donc là c'est déjà quand même un petit peu éclairé. Je pense qu'on y mettra par la charpente des petites lumières là. Derrière comme ça, tac tac tac. Pour que ça éclaire vraiment toute la cathédrale.
Nouveau point. Nouveau point. Il faut maintenant éclairer le haut. Et le haut, ça va vraiment être un casse-tête. Non, le derrière, excusez-moi. Ça va vraiment être un casse-tête. Écoutez. Écoutez. Bah écoutez pas, parce que je sais pas comment faire en fait. Moi qui est pro d'Eric Stone, je sais pas comment faire. Comment je vais faire? Putain, il fait nuit, il pleut, quand ça va s'arrêter? Voilà. Ok, Sidi, on va courir, on va couvrir tout ça. Hop. Tac. Magnifique. Tac. Hop. Mince. Hop. Bon, attendez, je suis un petit peu. Voilà. Parfait. Oui. C'est quoi le cache qu'on va faire en bois? Ça se mariera mieux avec le toit, je trouve. Tac. Puis ça se voit pas, regardez, c'est nickel. Et puis regardez, on voit pas les lumières. Donc ça, pour éclairer un monument, c'est très très bon. Ah oui. Il faut que je vous montre. Il faut, donc on va détruire toute cette merde. Je viens de détruire mon système. Excellent. Voilà. Donc on détruit tout ça et nous allons faire le système électrique. D'ailleurs, on va aller à l'intérieur et on va faire les trous pour les lumières. Pour me guider. Ah mais regardez, comme c'est des dalles, ça éclaire. Parce que la lumière passe à travers les dalles. Et ça, c'est cool. Attendez. Ici. Alors, est-ce que. Ben, c'est nickel. Mec, c'est tout à fait clean. Tac. On va faire les trous. Tac. Tac, voilà. Tac, voilà. Donc on va. Tac, et tac. Bim, boum. Bim, boum. Attendez, je parle pas trop parce que. Voilà. On y pose la redstone ici. La redstone là. Et voilà. Donc on a notre intérieur et notre extérieur sur tout ce mur là. Maintenant, vous savez quoi, on va le faire sur ce mur là aussi. Mettre. Tac. Redstone. Et voilà. Parfait. Ou alors on pourrait faire passer le système dans le sol. Non, ça va pas du tout. Faut vraiment que je trouve un truc vraiment. Je suis pas un peu parce que je suis un peu crevé. Écoutez. Bah écoutez, on va faire un truc qui rendra moins esthétique. On va faire un truc à la YOLO. Qui dit YOLO en 2020, je ne sais pas. On va tout simplement faire passer le système. Est-ce que ici c'est joignable? Là, tu fais ça, tac. Sans compter que notre système démarre de là. Donc on va le faire descendre, tac. Ok, bah c'est bon, j'ai le truc en tête. Attendez, je parle pas beaucoup. Je suis désolé, il y en a qui se sont plaints parce que je parlais pas beaucoup pendant mes lives. Et je m'en excuse. Attendez, parce que là je suis en train de réfléchir. Je réfléchis un système. Ok, bah c'est bon, on a trouvé. Voilà.
Voilà, nickel. Quoi, il met tac tac. Tac tac. Un dispenser. On met du délai. Comme d'hab. Boum, un dispenser. On va joindre les lignes. Casse-toi. Oh, du coup, merde! Bah, du coup, ça éclaire aucune des deux. Parce que regardez, c'est pas raccordé là. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? Parce que là. Et si je fais ça? Oh, toujours pas. C'est compliqué. C'est très très compliqué la Rexstone. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Et est-ce que. Attendez. La voûte. Ça c'est impossible. Ou alors ce serait vraiment pas esthétique. Du coup. Ce serait vraiment pas esthétique, donc du coup. Brice, est-ce que tu as une idée? Parce que regarde, quand je veux mettre mon câble là, et eh ben ça me coupe tout simplement. Brice, as-tu une idée? Moi j'en ai vraiment pas. J'en ai aucune. Le dieu de la Rexstone en personne est en train de sécher. Sur place. Et ben voilà, j'ai trouvé. Je sais. On va le faire passer là-dessous. C'était tout con et j'ai réfléchi 10 ans et demi pour ça. Voilà ma vie. Alors, on fait passer là. Voilà. On met un bloc là pour soutenir. Et voilà. Nickel. Ok, j'ai trouvé. Donc on va maintenant raccorder. Ouais. Oui, ça le fait. Oui, totalement. Oui. Voilà. Voilà. Tout est éclairé. Je suis un boss. Merci à tous. Non, faut pas exagérer non plus. On va faire un truc à peu près symétrique. On va faire la même chose ici pour l'esthétisme hein, quand même. Pour que ce soit un minimum esthétique. Là, j'ai fait sur le bas. Oh, il y a un PNJ. Tu prends goût à la cathédrale toi. Voilà. Et ben voilà, on a trouvé la solution. Bon, c'est un petit peu moins beau, mais ça nous laisse la. Ben, ça, on a trouvé la solution tout simplement. Maintenant, il faut couvrir cette merde parce que ici, par contre, c'est pas du tout esthétique. Et si on met des dalles comme ça, eh ben, c'est tout simplement mieux. Voilà. Donc, on a tout un système caché. Comme les médicaments de ta maman. Ouais, ma blague est excellente. Maintenant, ce que nous allons faire, on va ouvrir le toit. Hop, magnifique. Alors, on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on va mettre cette lampe de Rexstone ici. Ça, on va boucher. Ça, on va y mettre là, 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 là.
Là. Là. Tac. Tac. Ici, on va y mettre un dispenser. Mais comme le jus est inverse, il faut le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, on a notre raccord électrique. Oh là là, mais quel raccordement digne de ce nom. Hop hop, donc on va y mettre ça comme ça. Tac. Ici, là, là, là. Tac. Et tac. Donc là, on a nos lampes. On va faire ça jusqu'au bout. On va faire ça jusqu'au bout. Je vous mets une petite musique d'ambiance. Je vais pas parler parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire, mis à part mon reportage. Bon, on continue. Ah, elle aime bien celle-là. Du coup, ouais, mais du coup, ouais, je peux pas mettre de dalles. Ouais. Les dalles, ça passe pas. Les dalles, c'est de la merde. Thank you.
Allez, on continue, on continue. On s'arrête pas. Après, on s'attaquera à la charpente. Qui, pour moi, je pense, sera le plus sympa. Pourquoi les dalles elles disparaissent comme ça? Mais je m'en fous de tes pubs. Oh là là. Ah. Ok. Là-bas, il y a une lumière. Et ça commence à devenir très clair dans la cathédrale. Parce que quand c'est pas clair, bah c'est pas clair. Cherchez pas. Yes. Bon, ça continue. Je vais faire passer les redstone sur le côté de la voûte parce que sinon c'est trop chiant à installer. J'ai rajouté un dispenser.
Quoi? J'ai pas fini la voûte ici. En tout cas, c'est au centre de la voûte qu'il y a la lumière. Bon, maintenant, sous vos yeux, vous allez voir comment je fais les voûtes. C'est très simple. Tac. Et tac. Non. Merde. Tac et tac. Et voilà. On pose tout simplement les dalles de façon à dessiner une voûte. Mais pour moi, les voûtes de l'église, c'est plus réussi. Elles sont plus réussies. Besoin de dispenser. Bon, c'est là où on va faire. Bien. C'est là où on va faire descendre la redstone. Tac. Voilà. Donc on doit tout simplement faire descendre dans ce. On doit tout simplement le faire descendre dans ce type de conduit. Merde, voit un petit peu. Bon, c'est pas rien grave. Est-ce que de l'autre côté on voit? Non, il n'y a pas de trou. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit trou, c'est pas ouf. Ah quoi? Attends. Non, me dis pas que ce que je pense est vrai. Non. Mec, si c'est vrai, c'est ouf. Attends. Ma Rosa s'est décalée. Tout est décalé. À la construction, je me suis gouré. Regardez, ici on a l'angle ici, là, tac tac tac, tac tac tac, et ici on a là. Non! Attends, est-ce que ça a changé le toit? Si ça a changé le toit, c'est exceptionnel quand même. Sans que je l'ai vu. Attends, ça on est là. Ça n'a pas changé le toit, donc ça n'a pas impacté le toit. Non, dis pas qu'il faut décaler toute la voûte! Oh putain, merde. Bah écoutez, ça va faire comme un petit défaut. Un petit défaut, un autre homme de Paris, pourtant elle est pas symétrique. Hein, elle en a l'air comme ça, mais elle n'est pas symétrique, donc bon, ça va faire comme si c'était. Ça va faire comme si. Hop. Voilà, et quand on va rallier ça là-bas, ça va être génial. On va être content parce que on aura terminé une des parties les plus chiantes. Parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup de faire l'électricité dans la charpente. Allez-y avec les dispensers. Si vous faites ça, faut pas hésiter. Je m'en fous. Bon, ouais, on voit un petit peu l'électricité d'ici. Non, reviens là, toi. Ouais, pour l'esthétique, encore une fois. Putain, mec! Putain, j'ai réussi à tout décaler. Je suis trop con. C'est esthétique. Je suis trop con. Et je n'ai même pas fait exprès. Putain, mec, c'est fort ça quand même. J'ai réussi à décaler tout le truc.
On va le laisser comme ça, parce que refaire toute la façade, c'est... Croyez-moi que déjà la faire une fois, c'est chiant. Alors, donc voilà. Alors, écoutez, on va... Donc, on a fini avec la partie arrière de la cathédrale. Donc, on va tout simplement reboucher tous les trous qu'il y a. Bouche. Mon gars, j'ai réussi, mais je reviens pas. Oh, putain, je reviens pas. J'ai réussi à rater mon... à faire un défaut sur... Putain, mais je m'en remets pas. Moi qui est le pro de la symétrie sur Minecraft. Enfin, moi qui ai un pro tout court sur Minecraft. Hein, ouais. Excusez-moi, je suis un peu... Mec, par contre, toute l'électrique là que je mettrai dans la charpente, mon gars, si elle brûle, je vends ma chaîne YouTube, qui est pas très grande non plus. Mais par contre, il pleut tout le temps, ça me fait chier. Voilà. Donc on va ouvrir là. Putain, j'ai... Ah, là voilà. Là voilà, là voilà la redstone. On va la ramener. Nickel. Donc, on a notre redstone. Ah. Donc ici, d'accord. Faut en mettre deux. À quoi? Je suis obligé de mettre un bloc là. Ouais, mais du coup... Wow. Alors là, par contre... Ben non. Mais je suis con, mais à un point. Attendez. Attendez. Je réfléchis, je parle pas trop là. Ok. Ah si, c'est bon, tout va bien. Donc là, je fais passer là-dessus. Ah, je suis crevé. Mais bon, je lâche rien. Hein? Mec, par contre, si... Juste, s'il y a un problème dans tout le système électrique, faudra tout redémonter, putain. S'il y a un seul problème, je pète un câble. Mais vraiment... Merde, j'ai pas bouché tout là. Bah attends, on va boucher. Après, on va continuer. Merde. Voilà. Yes. Non. Oui. Parfait. Tac, tac, tac. On a combien de temps de rec là? On a combien de temps? Attends, diffusion, on est à... Attends, j'arrive pas à... Attendez 5 minutes. Je vais vérifier depuis combien de temps on est en live.
Donc là, attends, j'allume mon écran de panel. Ok, c'est bon. Direct. Donc j'allume mon écran de panel. Ah, effectivement, sûr que j'ai pas le. Merde. J'ai pas. Je pense que ça fait quand même une petite heure, hein. Une petite heure qu'on est dessus. Eh ben écoutez, on finit ça et puis on finit le live. Ah écoutez les gars, je suis vraiment crevé. Je suis vraiment crevé comme un porc. La petite playlist. Un vrai plaisir. Alors, je pense qu'on fera Brice, es-tu là? Je pose la question. Es-tu là, Brice? Es-tu encore? Attends. On va vérifier. Logiquement, il est en... Non, il est plus là. Merde. Ah, ben, je suis seul tout. J'ai pas d'amis. Bon, on verra bien la rediffusion. Tac. Voilà. Donc je finis ça et puis on passera à la charpente dans un prochain épisode je pense. Hein. Pourquoi il veut pas? Oh non! Oh non, t'as... Quoi? Oh non, c'est bon, putain, j'ai eu peur. Alors en fait, j'ai pas fait ça. Voilà, faut faire le l'espèce de petit escalier. Pour que ça fasse une petite petite montée qui fasse effet d'un poids. Magnifique. Ok, on a fini. On finit d'éclairer tout ça et puis fin du live. Tout simplement. En espérant qu'il n'y ait pas de douille avec ce système électrique qui est très 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 complexe. Attendez, excusez-moi, je baille un petit peu. Espérons que j'ai assez de jus. J'ai assez de jus, nickel. Oh non, avec le système de merde que j'ai... Oh... Eh bien non. Oubliez, j'ai... Je dis n'importe quoi. J'ai rien à modifier. Parfait. Tac. J'ai encore détruit l'arc tout le temps. Voilà.
Et après, donc, on finit jusqu'à la fin. Bon, écoutez, je pense que ce live vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Ouais, pour ça, je... N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Likez. Ouais, je suis vraiment creux. Cette intro est trop longue. Salut à tous.